Mais les passions, ce sont les valeurs du rugby, de l'agriculture. Tous nos savoir-faire de nos territoires. Et la Coupe du Monde, ça sera une formidable vitrine. On prendra du plaisir, justement, à pratiquer le rugby et aussi, forcément, à déguster les meilleurs produits de nos terroirs. Au-delà des valeurs du rugby qu'on apprécie, ce qui nous a engagés, c'est avant tout cette démarche locale, durable, de mettre en avant les circuits courts, de revaloriser nos agriculteurs pour défendre la ferme France. On a envie de défendre ce qui nous est cher, c'est-à-dire nos valeurs communes, et on se retrouve entre la gastronomie et le rugby, parfaitement alignés sur le projet Coupe du Monde 2023, qui sera, je le disais, une formidable plateforme pour promouvoir nos valeurs, notre ADN. Nous, notre idée au niveau de l'agriculture, c'est ça, retisser du lien entre l'agriculture et le consommateur citoyen. Mais c'est un moment de reconnecter avec nos racines. Dans une équipe de 15, Cordier a envie d'être le leader du vin, le leader des produits de terroir. Donc c'est pour ça que je pense que numéro 10, ça serait formidable pour Cordier. Trois mots les plus proches, c'est convivialité, c'est plaisir, c'est engagement. Engagement pour défendre un terroir, un domaine viticole, notre style de vie à la française, l'art de vivre à la française.